Good, Spidey. Don't worry about it. Combien de fois ai-je dit et répété que Spider-Man devrait laisser la police faire son travail? Au moins 6 fois par jour. Et encore, quand j'ai de repos. Figurez-vous que pour une fois, c'est bel et bien ce qui s'est passé lorsque l'agent Jefferson Davis a empêché un camion rempli de criminels à... Y a un problème ? Non ! Je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma fille de ces voyous. J'ai fait ça quand ? À l'instant. Occupé comme vous êtes, tout doit se mélanger, hein ? Près du cinéma, à l'angle de la 126e. Elle vient de me dire ça au téléphone. Ah oui, 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 pardon. Eh ben, de rien. Content que votre fille aille bien. Bon, je me souviens pas du tout avoir été là-bas. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Ah oui. Voilà le cinéma et la scène du crime. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Pardon. J'ai vu l'arrestation de Fisk à la télé. J'ai halluciné quand vous avez sauté par la fenêtre. C'était... Oh, ça va, mon pote? Carole, c'est vraiment lui? C'est bon, toujours en vie. Au moins, on n'a pas affaire à un justicier meurtrier. C'est déjà ça. Désolé, j'arrive après la bataille. Merci de l'avoir protégé, Spider-Man. Déjà de retour ? Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui, j'y vais tout de suite. C'était de quel côté déjà ? Tout à l'heure, vous êtes parti par là, vers le sud. Merci, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un ? C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. Ça sent le brûlé. Il y avait bien un incendie. Voilà le bâtiment brûlé. L'incendie a été éteint rapidement. Je crois que tout le monde est à l'abri. Au travail, c'est bien. Hey, Spidey, vous en avez fait quoi de l'extincteur ? Un extincteur ? Il a utilisé l'escalier de secours. Il n'a pas dû réussir à copier mes lance-toiles. Il s'est servi d'un extincteur. Quel genre de produit y avait là-dedans ?
poudre abaissée. Standard et facile à détecter. Il est couvert d'une substance ignifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man 10. Il marche. Pas de toile, pas de pouvoir. Autrement. Vous êtes revenu. Je pourrais jamais assez vous remercier d'avoir sauvé mon amie des flammes. J'ai cru qu'elle était perdue. À votre service. Dites, je suis content que tout le monde aille bien, mais la fumée m'a embrouillé. Vous pouvez me dire de quel côté je suis parti? Désolée, j'ai aidé mon ami. Je crois que vous êtes remonté. Merci. Saluez votre ami pour moi. Ok. Ce mystérieux pseudo Spider-Man aide les gens, mais il prend trop de risques. Je dois le retrouver. Mes excuses. On dirait que cet homme vient de se battre. Il sait peut-être quelque chose. C'est bon là, lâche-moi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a lieu sur le toit, je te le jure. Ok, évite les ennuis. Ah. Eh ben, mon double a l'air plutôt doué. Il a laissé la drogue. Apparemment, ses intentions sont bonnes, mais ses méthodes sont... La police s'occupera du ménage. La contrefaçon a dû détenir. Il risque d'avoir mal pendant quelques chaos. Mais en vie, ça va laisser des traces. C'est lui. Les gens ont l'air d'aimer ce type. Enfin, moi, quoi. Oh, c'est bizarre. À votre service, citoyen. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. Mais je parle pas du tout comme ça. Bah, personne parle comme ça, d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fiske sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. Oh, et doucement! Je suis pas le vrai Spider-Man! En tout cas, plus pour longtemps. Il est temps de rééquilibrer les choses. T'es sûr qu'il y en avait plusieurs? Tuez-les tous les deux! Je m'en occupe! Attends! Donc, on va faire avec le vrai Spider-Man? Pas question! Tu te débrouilles pas mal? Je suis ceinture noire. J'enseigne au dojo de Shikara. Je voulais vraiment aider entre deux. Ça, ouais, mais en t'habillant comme moi, tu hérites de mes ennemis. Et crois-moi, j'en ai des tas. Attention, il y en a d'autres. Je m'occupe de ceux qui sont armés. Occupe-toi des autres. Tu sais, si tu veux aider ta communauté, il y a un refuge du Fist pas loin. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de recevoir des cours de self-défense. Bonne idée. Le combat de tranche commence à arriver. Je vais pas me faire fuyer.
ce truc de dingue. Et que comment vous faites ça? Au coup par coup. Écoute, c'est bien de vouloir aider les autres. Mais si tu continues comme ça, tu vas te faire tuer. Ouais, j'ai vu ça. Pas de soucis, je raccroche la tenue. Il n'y a qu'un seul Spider-Man. Super. Et puis, t'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Hey, c'est un bon slogan, ça. Je m'en souviendrai. La station de recherche au score près d'ici me fait flipper. Il se passe des trucs bizarres. Faites pas gaffe à moi. Une petite interview pour mon blog. Salut. Chers amis, j'ai eu vent de témoignages troublants. Spider-Man, dans les jardins publics, là où jouent nos enfants, s'en prendrait à des pigeons. Oui, oui, des pigeons. C'est à se demander s'il n'est pas devenu dingo. Question tout à fait légitime. Mais avez-vous entendu parler de l'araignée Goliath? Je vous passe les détails répugnants, mais c'est...